la danse emblématique, c'est la bourrée, donc voilà, qui se danse depuis des siècles. Donc il y a vraiment ce lien entre cette danse et ce territoire-là, quoi. Donc on peut dire qu'on considère la danse comme un instrument, quoi, comme un outil qui permet de s'exprimer, quoi. Je termine mon déplacement sur l'avant. Ah. Mais en fait, bon, là, on va dire que c'est vraiment un choix. J'ai choisi ces chaussures, ces petites chaussures qui payent pas de mine, on peut le dire. Mais parce que je suis confortable, en fait, dedans. Un truc que j'ai pas dit, je me rends compte que je n'en ai pas parlé pendant le stage, alors que habituellement j'en parle tout le temps. C'est que pour moi, ce que j'aime bien véhiculer, c'est qu'on danse pour se faire plaisir. Et du coup, faut que ce soit confortable, quoi. Moi, j'avoue que ce que j'aime bien avec ces chaussures, c'est que du coup, elles ne font pas de bruit. Elles font quasiment pas de bruit. Et du coup, c'est une autre manière d'aborder l'ornementation et d'aborder notamment les frappés, qui sont... c'est une pratique assez courante dans la bourrée de frapper. C'est à la fois stylistique et c'est aussi un élément de langage avec le partenaire. Et ce que je trouve dommage, c'est que souvent quand les gens y frappent, c'est très peu nuancé au niveau du volume. Et du coup, ce que j'aime bien avec ces chaussures qui font pas de bruit, c'est qu'en fait on peut jouer sur le volume et on peut même ne pas mettre de volume du tout, tout en conservant l'intention dans le mouvement. Et en fait ça me plaît assez, quoi. C'est quelque chose qui me fait vibrer, quoi, depuis que je suis petit, quoi. En fait c'est comme ça, en fait c'est toujours depuis que j'ai 6 ans, j'ai des danseurs de bourrée dans mon environnement, quoi. J'ai toujours vu des gens danser la bourrée, jouer des bourrées, chanter des bourrées. Du coup, pour moi, ça fait partie de moi, en fait. Ouais, elle est particulière, quoi, par rapport aux autres danses. Elle est vraiment particulière, mais peut-être par sa liberté, enfin la liberté qu'elle offre. Voilà, tout le côté relationnel avec le partenaire, les partenaires, avec aussi les autres personnes qui dansent autour. Moi, je suis musicien de bal, en fait, avant tout. Moi, ce qui m'intéresse dans ma pratique artistique de musicien, c'est de faire danser, quoi, en situation de bal, parce qu'il y a une réelle interaction avec les danseurs. Comme quelque chose qui circule, quelque chose de fluide entre la musique, l'instrument, le rythme, la sensation rythmique et le fait de jouer pour des danseurs. On arrange beaucoup, on casse les codes, on s'amuse à jouer avec, on essaie de trouver le lien, les points de rupture entre la musique et la danse, hein, voilà, plein de choses. Il y a vraiment, oui, on a demandé à Julien, qui est un super copain, qui est batteur, de venir là-dedans. On s'est dit, nous, on s'est formé aussi avec Arnaud à peu près au même moment. On s'est dit, quels sont les codes de la danse, qu'est-ce qui est intéressant à garder, qu'est-ce qu'on a le droit de bousculer aussi, modestement, hein, parce qu'on n'a rien révolutionné non plus. Hein. We'll be right back.
assez rare de trouver déjà des instruments de percussion, c'est déjà un peu rare, mais alors une batterie, n'en parlons pas. Donc le challenge, c'était de pouvoir trouver des rythmes en accord avec les danseurs, en accord avec la musique, en gardant ma technique de batteur, mais que ça fasse pas tâche. J'essaie de créer vraiment une osmose entre les danseurs, parce que forcément il faut respecter les pas de danse, évidemment c'est très, très important, donc je dois faire attention à ça. Attention à mes collègues qui proposent un son, une batterie, il faut savoir qu'on est l'instrument qui peut jouer le plus piano et le plus forte. Donc il faut savoir gérer tout ça avec des instruments qui, eux, une cornemuse et une vielle, ont un volume sonore, ils peuvent pas vraiment jouer ni plus fort ni plus doucement. C'est ça qui est un peu compliqué, c'est de faire croire aux spectateurs que c'est tout le groupe qui joue plus fort d'un seul coup, qui donne de l'importance, alors qu'eux, ils n'ont pas pu forcément aller plus loin. Et de jouer très piano dans les danses qui sont, comme les mazurkas, les valses, un peu plus fines, de se faire un peu oublier qu'avec des petits éléments, une cymbale par-ci, un tom, voilà. Isoler mon instrument. Même quand je joue, il faut que je m'imagine dans un contexte. Si je suis complètement isolée de la culture que je suis en train de jouer avec mon instrument, je vois plus du tout le sens de jouer cette musique-là. Je sais pas comment expliquer. Il faut que je la vive en fait. Et souvent ça passe par le corps aussi, par quelque chose de rythmique, un groove, quelque chose, une danse, un mouvement. Et puis je transforme ça en son. Dans cet instrument-là, c'est que on a un jeu virtuose que j'aime bien développer. Je trouve que c'est son intérêt esthétique, il est là. Il est fait pour jouer dehors, fort. Donc allons-y carrément dans cette virtuosité-là, ce truc un peu de tape à l'œil, je sais pas, ça me plaît. Quelque chose d'un peu sportif aussi, un peu... Bam ! C'est le truc. Thank you.